Bon, alors je viens d'essayer le nouveau masque que je vous disais. Et apparemment, oui, ça fait pas de buée. Mais par contre, je l'ai fait trop grand. Donc, il va falloir que. Bon, je vais le retirer maintenant pour vous parler. Je vais vous expliquer un petit peu. Attendez, parce que j'ai pris mes lunettes avec. Je vais vous expliquer. Alors voilà, ça se présente comme ça. Si vous regardez sur YouTube. Et encore des fils, vous voyez, je viens juste de le finir. Couper les fils. Mon coupe-fil, il est resté sur la table derrière. Donc voilà. Donc ça se présente comme ça. Et là, vous voyez derrière comment ça fait. Voilà, ça fait pour le nez. Et comme ça, et ben, la buée, elle, ça cache. Je ne sais pas comment je pourrais vous dire. Ça cache. Donc, alors pour faire un rond, moi sur la vidéo, c'était marqué un rond de. Enfin, une assiette qui fait entre 20 et 22 cm de diamètre. Moi, j'ai du haut bas. J'en ai une. Oui, mais la mienne, elle fait 25 cm de diamètre. Ouais, 24, 25 cm. Donc, c'était un essai, hein. Je vous ai dit, je fais un essai. Aujourd'hui, je suis partie dans les vidéos, les essais, les machins. Donc, je vais en faire une, je vais en faire un. Mais je pense que oui, je vais en faire des comme ça et je vais même en envoyer à Coco. Parce que comme ça va. Si, c'est pas mal. Si vous cherchez sur YouTube, de toute façon, vous allez le voir ce modèle. Vous voyez, une fois que c'est plié, c'est comme ça. Vous remontez cette partie. Vous la mettez sur le nez. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Bon, alors je l'avais fait avec les petits renards. J'avais fait avec les petits renards. Je vais essayer de ne pas bouger parce que j'ai vu qu'il y avait du trouble. Et bah, je vais essayer d'en faire un plus petit. Je vais faire un rond avec un compas ou je vais chercher une assiette plus petite. Ou ce que je vais faire, bah, j'ai peut-être un saladier qui pourrait peut-être aller pour faire le rond. Enfin, c'est avec un compas, je fais un rond, hein, c'est pareil. Et je vais lui en faire bah avec ses bambis, sûrement que je vais lui en faire un ou deux. Je vais lui faire aussi avec ce tissu-là. Et peut-être que je vais faire aussi avec le tissu. Vous savez que je croyais que c'était des petits renards. Bon, je ne sais plus ce que c'était. Enfin, il faut que je recherche dans mes tissus. Et je vais lui en faire quelques-uns comme ça. Voilà. Donc, bah, je voulais vous montrer ça. Il y a deux élastiques, c'est pareil. Bon, les élastiques, je les ai faits à 15 cm chacun. 15 cm. Et puis, bah, dans une prochaine vidéo, je vous montrerai, je vous expliquerai comment j'ai fait. Alors, c'est tout simple. C'est encore plus simple que les autres. Donc, mais je pense que ce système de nez, là, pour mettre sur le nez, c'est pas mal. Bon, sûrement que vous connaissez. Et je vous dis, si vous cherchez sur YouTube, vous allez en trouver, hein, celles qui en font des masques. Et ben, ce modèle-là, je crois qu'il est valable. Bon, maintenant, je sais pas, pour mettre un filtre et tout. Bon, enfin, déjà, si vous êtes protégé. Voilà, donc j'ai fait avec ce petit tissu-là, tout mignon. Et je vais en faire un plus petit. Là, celui-là, je ne vais pas le défaire. Je vais le laisser comme ça. Peut-être que je ne vais pas dire si ça va aller à mon gendre parce qu'il ne va pas mettre des renards, je pense pas. Mais je vais le laisser comme ça, tant pis. Hein. Ça dépendra toujours si un jour on manque de masque. Et puis voilà. Bon, bah, écoutez, là, ça y va les vidéos. Hein. Mais je ne vais pas tout charger en même temps. Hein. Je vais vous mettre ça tranquillou. Hein. Voilà. Donc je vais essayer de faire ça. Et puis une fois que ça sera fait, une fois que j'aurai bien en main pour savoir le faire, parce que là il a fallu quand même que je regarde hein, les dimensions, tout, quoi que j'ai adapté, comme je vous dis encore à ma sauce, hein, il y avait des dimensions, mais j'ai dit, bah non, Monique, tu vas faire autrement, forcément. Et ben là, mon assiette était trop grande. Donc parce que la fille, enfin la personne qui fait, elle a une assiette. Et je crois que j'ai un saladier qui doit faire 20 cm de diamètre, je crois. Je vais faire avec le saladier. Sinon, j'irai chercher mon compas. Je me répète, hein. Et puis voilà. Bah dites-moi ce que vous en pensez de ce masque. Mais je pense qu'il est pas mal. Allez, mais un peu trop grand quand même. Hein, parce que quand je le vois sur mon nez, ça fait grand quand même. Hein. On recommence. J'ai commencé la vidéo avec, je vais la finir avec. Vous voyez, ça fait grand. Il y a trop de largeur.
passe comme ça et les lunettes. Et je peux souffler, il n'y a pas de. Non, la buée ne remonte pas. La buée ne remonte pas, ça reste coincé en dessous. Voilà. Donc je vais en faire des plus petits et puis ça sera très bien. Voilà. Bah, je vais m'en faire pour moi aussi. Allez, gros bisous à toutes. Et puis, eh ben, je vais recommencer, hein. De toute façon, il faut toujours faire et refaire, hein, pour arriver à faire ce qu'on veut vraiment bien. Et puis, par contre, alors oui, alors si je fais des masques comme ça, mes pochettes que je fais pour mettre des masques, ça va pas aller. Il va falloir que je refasse une autre sorte de. Ou quoi que aussi, on peut le plier et puis le glisser. Ouais. Enfin bon, ça c'est à voir après. Pour l'instant, j'en suis au masque, j'en suis pas aux pochettes de masque. Ouais. Mais je trouve que ce petit tissu-là, il est super mignon. Hein. Voilà, bon, je vous enquiquine pas plus. Et puis, bon, alors pour cette fois-ci, je vous laisse. Parce que ça fait combien de vidéos je tourne aujourd'hui? 3 FAQ, butinette et le masque. Ça fait 5 vidéos que je tourne aujourd'hui, donc je pense que c'est déjà pas mal. D'ailleurs, vous voyez, je suis habillée toujours pareil, donc voilà. Bon, ça, c'est pas un problème, hein, que je sois habillée toujours pareil, ça ne change pas. Ça vous dérange pas, je pense pas. Et puis, bah, je viens de prendre mon thé d'abord. Avant de finir mon masque, j'ai fini mon thé. J'ai mangé ma petite brioche. Et puis bah, j'ai dit, je vais leur montrer ce que ça. Bon, c'est vrai que ça fait gros, c'est pas. Mais je vais en faire un plus petit. Voilà. Allez, bisous, bonne soirée, bon week-end et à bientôt. Bisous.